Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de me plaquer les cheveux aujourd'hui. Je vous explique. Alors déjà aujourd'hui, ce matin, il y avait du coup le choix des déguisements. Écoutez bien, elle a choisi finalement le noir. Donc elle était trop mime, c'est tout. Je vais vous montrer ceux qui se rappelaient plus et qui n'avaient pas suivi mes stories. Donc voilà, aujourd'hui ils font Halloween enfin à l'école quoi. Tout le monde était déguisé, c'était trop chou. Et moi, du coup, je me suis vite préparée parce que je dois continuer mes recherches de voiture. Donc là, j'y vais. Ma mère va me rejoindre également pour m'aider. Ça y est, j'ai signé ma voiture, je suis trop contente les filles, j'ai trouvé. Normalement je l'ai dans maxi 15 jours, si c'est possible avant, ça sera avant, mais je suis trop contente, ça y est, c'est fait. Les amis, ça y est, j'ai trouvé ma voiture, je suis trop contente les filles, je vous explique même pas comme je suis contente. Je vous explique, la décapotable a été très bien, elle était disponible, mais le problème c'est qu'il n'y a pas du tout de place pour les enfants derrière. Donc en vrai, voilà, juste pour me faire le kiff une fois de temps en temps, quand je vais à Saint-Trope, bah, tout le monde m'a dit ça sert à rien. Et c'est vrai que la voiture était trop petite, le coffre était trop petit. Vous avez raison, parce que d'ailleurs vous me l'avez tous dit ça. Et aussi, du coup, la place pour Ruby était trop petite. Donc j'ai dit, bon, ça y est, on arrête les folies. Et du coup, j'ai pris une voiture qui est assez grande, donc je suis contente, comme ça moi je pourrais tout rentrer, même quand je vais partir en week-end avec Ruby, rentrer les valises, etc., les vélos, les trottinettes, enfin vous savez ce que c'est, j'ai trouvé, donc je suis trop contente.